Bon Pedro, cette seconde semaine de préparation, comment ça se passe? Ça se passe bien, plutôt bien. Même si la chaleur, c'est un peu plus intense, mais on est obligé de passer par là. Bon, comparé à la saison dernière, qu'est-ce que tu vois un peu de différent? Je pense que c'est un peu plus costaud cette prépa par rapport à la saison dernière. Mais plus on tient cette phase-là, mieux ça sera pour démarrer la saison. Bon, il y aura une grosse différence, vous irez pas à Amanda, vous irez à Washington, c'est un peu le grand écart. Comment tu vois ce voyage entre guillemets aux USA où deux beaux matchs vous attendent de préparation? Déjà être invité c'est un privilège parce qu'on voit les équipes qui ont été invitées. Et inviter Montpellier, ça veut dire qu'on fait partie du haut du tableau. Du coup, ça fait énormément de plaisir et ça change un petit peu par rapport à Amanda. Bon, il y a un premier match amical ce vendredi à Millau face à Béziers. Mm-hmm. Bon, vous aurez certainement les pattes un peu lourdes. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre de ce match qui est beaucoup de roulement? Ouais, mais le plus important, c'est des tests, c'est faire des expériences, d'essayer des nouvelles stratégies, des nouveaux joueurs. Et après, bien sûr, il faut commettre des erreurs à ce moment-là pour l'éviter pendant la saison. Bon, tu peux nous commenter un peu l'arrivée de deux nouveaux joueurs, TJ Savagnier et Jordan Ferry. Qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà pour le moment? J'ai l'impression qu'ils sont déjà... Ça fait un moment qu'ils sont avec nous. Ça fait comme s'ils étaient déjà au club il y a 3 ans. C'était une intégration très 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 vite. Et voilà, après on a un groupe exceptionnel et qui met tout le monde à l'aise. Point de vue personnel, après une très grosse saison de ta part, là, c'est la saison dernière justement, quels sont tes objectifs pour cette année? Faire mieux si possible. Ça sera dur, hein, même si oui, c'est toujours possible. Mais on peut toujours améliorer quelque chose, éviter d'apprendre avec les erreurs de la saison dernière pour s'améliorer pour cette saison. Merci Pedro.